Hello à tous, ici Fuxilax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu qui se nomme Light Switch. C'est tout simplement un jeu d'horreur comme tous les vendredis. Vous savez, le vendredi j'aime bien faire des jeux d'horreur, sauf s'il y a des exceptions. Mais sinon, je fais tout le temps des jeux d'horreur parce que j'adore ça. J'adore avoir vraiment, ne serait-ce qu'un petit frisson à l'intérieur de moi parce que aucun ne me font peur. Aucun. Je ne sais pas pourquoi, mais aucun. C'est compliqué à me faire peur, moi. Bon, bref. À chaque fois, je cherche en vain un jeu qui essayera de me faire un petit truc à l'intérieur de moi. Espérons que celui-là fasse quelque chose, quand même. Alors, bien sûr, je ne regarde pas de vidéos avant. Je regarde juste des images qu'il y a dans le jeu. Donc, du coup, introduction. Tu as 12 ans. Tu vis en Californie, aux USA. Ta mère, elle est souvent au boulot et tu es souvent tout seul à la maison. Il est 19h. Il est 19h, n'importe quoi. On est le 19 novembre et dehors, il pleut. Tu es tout seul à la maison encore une fois. Et il est presque 22h. Press space. Ok. J'ai press space. L'eau a dit. Oh! C'est ma chambre. C'est waouh. Oh, on peut ouvrir des tiroirs. Qu'est-ce que c'est? Des bananes. Des donuts. Mais qu'est-ce que c'est que ce gamin? Ah, une feuille. I got used to being home alone, but I'm standing to feel some kind of presence. This weird. Il sent comme des présences dans la maison. Sympa. Ok, on a les lumières. En même temps, Light Switch, c'est le nom du jeu. Oh! Answer the phone. Toutes les lumières sont allumées, j'ai l'impression. Je peux allumer celle-là? Oh oui, c'est la chambre de qui? Il y a un papier là. Mom is acting weird lately. Maybe it is just because of the work. She's always works. She should take a break. Oui, c'est vrai que si tu travailles beaucoup, tu devrais quand même prendre des vacances, maman. Oh, il y a une tomate. A watermelon. Il y a quelque chose dans les tiroirs. J'ai pas été regarder là-bas ce qu'il y a. Purée, il y a des sandwichs, des burgers. Et du saucisson. Oh, purée. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? Ils ont 15 000 bouffes dans leur tiroir. Je vais pas Si. Bon, allez. Ça vient de là ou pas? Qu'est-ce que c'est? La salle de bain. Looks like we are almost out of soap. Oui, on est presque à court de savon, mais c'est pas très important. Ici c'est quoi? Oh. I love playing video games on my computer. Even if I suck at them. D'accord. Et ça, c'est la chambre de qui des invités? Parce que t'as un PC, là. Ce serait pas ta chambre, par hasard? Non. Bon, sinon, il est où, ce téléphone qui arrête pas de sonner, là? Il est en bas? Ici? Pas l'impression. C'est quoi, ça? This is so weird. There were three carrots in the fridge just a few hours ago. My mom left in the morning. How did our one carrot disappear? Il a dit qu'il y avait trois carottes dans le frigo, mais qu'il y en a deux qui ont disparu. Non, qu'il y en a une qui a disparu entre temps. Et il y en a combien alors? À moins que tu peux pas voir parce qu'elle est derrière, hein, on sait pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bouffe. Oh, ils sont blindés de bouffe, eux. C'est ici, du coup? Non. Qu'est-ce que c'est? Un burger? Hey, calmos avec les sons d'ambiance, ouais. Moi, je l'ai eu hyper fort dans les oreilles. Donc, un burger dans la salle de bain. Très bien. Tout va bien. Nous sommes totalement dans une maison normale. Oh, purée, ça casse les oreilles. J'ai envie de répondre là. Hey! Please, go to sleep, but don't forget to turn off all the lights. Love you. Ok, donc I should listen to mommy.
to my mom. Sorry. Donc en gros, elle a dit qu'il faut qu'on turn off toutes les lights. Donc on les éteint tous. Oh, une pizza avec un cupcake et de l'eau. C'est mignon. Et la télé. Intéressant. Cette maison est vraiment complète, hein. Une photo. Et dans le tiroir, devinez ce qu'il y a? Oh, des carottes! Bah tiens, sûrement là, quelle est ta carotte que t'as vue disparaître? A Rubik's Cube. Bon, du coup, un fond vert dans un cadre. Tout va normal. Enfin, tout va bien. Il n'y a que des fonds verts dans les cadres, sérieux. Je devais éteindre toutes les lumières, c'est vrai. Celle-là, elle est éteinte? Non. Celle-là, elle est éteinte? Non. Celle de derrière, là. Est-ce qu'elle est éteinte? Oui, a priori, celle-là. Ouais, c'est celle-là. On va aller chercher l'autre, donc celle-là. Ensuite, on monte dans les escaliers. Ici, j'ai pas éteint. Là-bas non plus, j'ai pas éteint, il me semble. Si. Et non. Ok. Je vais éteindre la lumière du couloir qui est juste là. Et je vais aller dans ma chambre. Je m'enferme, bien sûr. J'éteins la lumière et je dors. Très bien. Ok. Maintenant. Oh oh. Pourquoi ça sonne? What is happening? A call in the middle of the night. Qu'est-ce qui se passe? Un appel en plein milieu de la nuit. Alors par contre, je vais allumer toutes les lumières. Il n'y a pas de question à se poser, j'allume toutes les lumières possibles. Voilà. Oh purée, j'ai entendu les bruits. He is here. Ok. Everything is okay. I'm okay. What's happening? Who is here? Turn off the light and go back to sleep. Really? Genre, un appel comme ça et juste... éteins les lumières et retourne de dormir, c'est tout. Franchement, non mais ils se prennent pour qui? Bonjour monsieur. Looks like... Il était là. Ok, fermez la porte. Interact. Et sleep. Ok. So. Next. Qu'est-ce qui se passe? Ok. How are the lights on? Should I go investigate or just go back to sleep? Ok. Donc on a le choix entre aller investiguer pour voir pourquoi toutes les lumières sont allumées. Ou bien, retourner dormir tranquillement. Je vais investiguer, voyons, je n'ai peur de rien, moi. Il est quelque part dans la maison, c'est ça? Hey! Arrête de faire du bruit, sérieux! Je devrais pas éteindre toutes les lumières, par hasard. Is mom here? Oh, mom is sleeping. Oh, interesting. Hey, doucement. Pas la peine de courir. The phone again. Why? Pourquoi encore le phone? J'ai rien demandé, moi. And upstairs? En haut des escaliers? Qu'est-ce qu'il y a en haut des escaliers? Ok, ça s'allume. Ok, ok. Y'a quelqu'un? Bonjour? Mais t'as pas à me sauter dessus? The creators blamed you.
You died on this stair. Mommy woke up later and saw you dead body. Ending 3 out of 3. Press space to return to menu. Ok, donc il y a 3 ends dans ce machin. Très bien. Est-ce qu'on peut faire replay? Oh, je me lève. How are the lights on? Should I go investigate or just go back to sleep? Ah ah, donc là il y a deux choix en fait. Fallait soit aller investiguer, soit retourner dormir. Et ben on va retourner dormir. Hein. C'est facile. Alors? Bonjour. Et donc? The creator killed you while you were sleeping. Maybe you shouldn't have went back to sleep. Ending 1 out of 3, press space to return to menu. Ok, donc en gros, on a été tué pendant notre sommeil. Peut-être qu'on n'aurait pas dû aller dormir. End 1 sur 3. On a fait la 3 sur 3, la 1 sur 3. On va trouver la 2 sur 3. Sur 3. Ok, je me suis réveillé. Toutes les lumières sont allumées, donc on doit aller investiguer. Mom is sleeping. Ok. Et en gros... Ok, on est là. On se balade. On a la cuisine. Ok. Le phone sonne. Sonne. Upstairs! Oh! There's something! Il y a quelque chose au-dessus des escaliers! Ok, je vois rien, je vais allumer. White! What is happening? I should leave the house and run, or maybe can I go alert? Mom! She's in the bed, in her bedroom. Ok, donc on a le choix entre monter les escaliers et se faire littéralement déboîter. Ou partir tout simplement, on s'en va, au revoir, à très bientôt. You run out of the house to the nearest police station. You alert the police and then they came to investigate your house. They found your mom dead in her bedroom and no one was there. The good ending? Ending 2 out of 3. Press space to return to menu. Menu. Bref, menu. Ok, donc on a eu toutes les fins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quelle fin vous préférez. Il y en a forcément une des trois que vous allez plus préférer que les deux autres. Puisque les deux autres, on meurt. Mais bon, il y a quand même notre mom qui meurt. Mais bon. La future génération, ok, mom, si elle avait 40, 50 piges, tant pis. Nous, on a 12 ans, on a encore un avenir devant nous. Elle, elle travaillait dur, elle devait prendre des vacances. Bref. On va pas allonger le sujet. C'est pas le sujet, c'est aussi un peu horrible de ma part. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos de ce genre, dites-nous dans les commentaires. Ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront de ce genre, peut-être. Sur ce, moi c'était Fuxilax, je vous dis à la prochaine. Surveillez bien quand vous dormez la porte. Il faut la fermer surtout. Si vous la fermez pas à clé, c'est sûr que vous allez avoir des surprises. Et éteignez toutes les lumières. Peut-être pas, vous pouvez garder une lumière allumée. À la prochaine. Ciao. J'ai oublié toute ma vie du passé. Je sais que ma vie a surgi de la nuit.